Vibrant cry of the national champion of the 800 meters, Samuel Villiers. On 24 July 2019, the country was clamoring the name of Samuel Villiers. Indeed, Samuel has made history by winning in the 800 meters for the men's category. It was the first time that Mauritius was able to win the most precious medal in this event since the creation of the Islands game. That day, Samuel Villiers was not in the lead of the race from the start. But the Mauritian fought with all his strength to win in the last 10 meters, following which the Mauritian public exploded with joy. "Without the support of the public, I would not be here," he said to sum up his incredible race in a few words. Today, he has other ambitions, especially to conquer Africa. To do this, this champion must first find a sponsor and a company so that he can have a stable job which will also allow him the time to train. We are trying to be a channel through which he can find a company to help him. Here is his testimony. On a mission. Donc moi, comment on dit, je m'appelle Samuel Villiers, moi j'ai 26 ans et moi habitant de Vakwa et comme profession moi un staff à la MPF et moi en tête nationale et plusieurs fois champion Maurice. Et médaille d'eau aux Jeux des îles 2019 et moi-même premier médaillé dans l'histoire des Jeux en tant que Mauricien après 40 ans et voilà, ça c'est Samuel Villiers. Comment finit arrivé au domaine de l'athlétisme là? Donc tout d'abord ça a commencé par les intercollèges comme moi je vais quoi SSS et quand moi je suis à l'école toutes les années je suis dans l'intercollège et ça comme moi je suis à l'intercollège mais là moi je gagne ça l'ambiance au stade là. C'était vraiment l'énergie magique en fait. Mais c'était moi j'ai un jour moi j'ai envie de participer mais malheureusement à cette époque moi pas tenu le niveau. Moi pas tenu le niveau mais il y a là qui m'ont fait pour aussi participer quand j'ai sporté de l'école moi j'ai fait bon niveau la course à pied. Moi accepté à faire un saut en longueur pour vivre une place pour moi les intercollèges. Et finalement comme on rentre intercollèges c'est que tu mon j'ai bon année prochaine moi envie galoper moi. Chaque année, il y a là mon commence l'entraînement à réduit et mon commence avec Carl Paul quand mon fait 3 ans avec lui et mon profiter vous dire lui merci pour sa 3 ans qu'il m'a fait avec lui là et ainsi de suite mon enchaîne avec mon entraînement régulièrement et quand mon commence faire performance comme vient intercoller mon commence gagner intercoller avec l'entraînement. Et ensuite, je commence à rentrer au niveau national, qui d'ailleurs partie de mon projet. Là, je commence à entraîner, je commence à rentrer au niveau national, je fais champion Maurice Junior après un an d'entraînement. Et ainsi de suite, je enchaîne, je fais 5 fois champion Maurice consécutif depuis 2015. Et ensuite, je gagne l'occasion de faire un meeting La Réunion en plusieurs reprises. Je commence à gagner mon premier voyage. Et je fais les Jeux d'Afrique au Maroc, je fais le championnat d'Afrique australe, je fais une médaille bronze. Et aussi, j'ai eu l'occasion de faire un stage de haut niveau, 3 mois, 4 mois avec mon athlète mondial. Et voilà, c'est ça qui fait Samuel Veilleuse, c'est ça qui m'a été aujourd'hui dans l'athlétisme. Voilà un peu de mon parcours, comment je suis arrivé. Qu'est-ce que plus, jolie l'expérience que vous faites vivre comme un sportif, comme un athlète? Jolie expérience, mon finger est étroit, mais ce qui plie, touchant là pour moi, ça reste les Jeux des îles. Jeux des îles 2019 parce que, encore une fois, mon cas dit haut et faux, mon parti, enfin, mon connais moi, mon parti parmi les potentiels médaillés sur la liste des potentiels médailles, mais moi, mon crée l'histoire. Parce que moi, je crée mon travail et mon compte le monde et mon fin médaille d'eau. Sans vraiment beaucoup de monde croire dans moi, mais moi, je crois. Donc, voilà, c'est ça pour moi. Puis, quel projet d'avenir? Mon projet d'avenir est la vallée du jour, mon très près au record Maurice, et ça les reste dans les viseurs. Et l'année prochaine, mon cadre est parmi une des saisons qui publie, dense pour moi de toute ma carrière jusqu'à présent, parce que l'année prochaine, il y a un championnat d'Afrique qui peut venir, et Maurice, une décroche l'organisation. D'ailleurs, à l'épreuve qui m'a fait là, je pourrais direct avec mon athlète mondial parce que à l'épreuve qui m'a fait là, c'est mon athlète mondial. Au fait. Et l'année prochaine, ça reste mon premier objectif. Ensuite, pendant les Jeux de la Francophonie et les Jeux de la Commonwealth qui sont à Birmingham en Angleterre,
et que moi pour essayer des grosses mo qualifications, mais c'est ça moi pour besoin travail mari dur et soit là reste dans mon côté, mais il y a un travail derrière ça, voilà. C'est-à-dire là, les préparations commençaient là au niveau de WEM. Ouais, les préparations commençaient. D'ailleurs, on fait reprendre l'entraînement après 2 semaines de repos actif parce que le championnat Maurice fait que fini. On prend 2 semaines, une coupure, mais pour régénérer un peu. Mais là, la préparation commençait et là, d'ailleurs, on peut profiter l'occasion pour lancer un appel pour c'est un kit du monde qui a envie de soutenir moi, qui sponsor, envie de soutenir moi dans mon projet à venir. Ben, la porte est grande ouverte parce que la préparation, il est beaucoup. Il y en a une frais la préparation d'ailleurs, parce que sincèrement, si mon vie fait vraiment ma compétition l'année prochaine, là, si mon Maurice, il est vraiment, vraiment difficile parce que c'est un niveau qui m'a pérodé l'année prochaine, je vais bouger à gagner frottement avec Ben Meyer. Mais Esther, il y a une frais de dépenses qui vraiment qui fait coûter et normalement, il va y dans les 200 à 300 000 points de saison. Donc, il nous fait le job bien, pour ma vision. Mais voilà, pour Esther, pour faire le niveau, il y a un investissement à faire, vous comprenez, ou rouler un Ferrari, vous allez mettre le prix. Voilà. Est-ce qu'il est facile pour donner des bouts pour sa préparation là? Bon, la valeur du jour, surtout après le Covid, il n'est pas facile. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour remercier mon sponsor qui soutient moi dans mon basic needs, la compagnie Gaz Carbonique. Je profite pour remercier monsieur Michel Roussette. Mais la valeur du jour est difficile. Parce qu'avec le Covid, tout est débalancé et pas plus facile vraiment pour jeunes debout, pour vraiment enlever ce projet là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, mon passe à l'appel là, c'est un petit sponsor qui est intéressé pour lancer dans mon projet. Ben, moi disponible, n'importe qui moment, je peux prendre contact avec moi. Et voilà. Samuel, je souhaite toute bonne chance et d'espérer l'année prochaine du tournoi Samuel avec beaucoup de médailles d'or. Merci beaucoup et je vous fais mon best, je vous donne le meilleur de moi-même et à même mon drapeau Maurice au plus haut du podium.